Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle table ronde des rencontres du développement durable 2021. Je m'appelle Arnaud Chéniaud. Et puis sur cette table ronde, on va aborder un sujet sensible sur lequel on va essayer de vous mettre dans vos retranchements. L'équipe en fait, d'Open Diplomacy m'avait fait un magnifique déroulé qu'on va suivre effectivement, mais dans ce déroulé, il manque un petit mot, une interrogation, une expression, on va dire, qui est celui de dictature verte. Alors, on ne va pas parler que de dictature verte, mais en tout cas, on va se poser une question globale qui est celle de savoir si la transition écologique peut exister dans un système qui est un système démocratique qu'on connaît aujourd'hui. Pour pouvoir aborder ces sujets-là, nous avons invité Aïna Curic, députée de la Marne. Bonjour. Philippe Levendic, qui est président de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de la transition écologique. Bonjour. Thierry Pêche, qui est en ligne avec nous, je crois, qui est directeur général de Terra Nova, coprésident du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour. Franck Escoubès, cofondateur de Blue Neuve, Ashoka Fellow et co-auteur de La démocratie autrement. Yannick Servant, qui est cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat, et Arnaud Gonzac, qui est rédacteur en chef adjoint à l'Obs. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette prochaine heure. Donc la question, elle est très large, et je vous propose de la poser de la manière la plus macro qu'on puisse avoir, c'est est-ce que aujourd'hui on peut associer transition écologique et démocratie telle qu'on la vit dans nos pays occidentalisés? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut attaquer le gros morceau dès maintenant? Arnaud ? Je veux bien commencer, hein, modestement, mais je pense qu'on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, les dictatures ont cet avantage d'être d'une grande efficacité quand elles veulent quelque chose. C'est beaucoup plus compliqué quand il faut négocier avec toutes les parties prenantes, les citoyens, les hésitations, les doutes, etc. Maintenant, on est dans une... Voilà, je pense que si on peut difficilement... concevoir une idée de transition pour un pays qui se porte mieux, pour des gens qui vont mieux, qui sont soucieuses du développement de chacun et puis évidemment du respect de l'environnement, sans tenir compte de l'essentiel qui est quand même déjà le droit à la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Maintenant, la question de savoir est-ce que la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui permet cette transition et une transition ambitieuse, là, effectivement, la question se pose. Parce qu'on est bien obligé de constater que l'Europe n'y est pas du tout. Pour rester simplement sur l'Europe, l'Europe n'y est pas du tout. Voilà, pas du tout, du tout. Donc il va falloir rénover la social-démocratie pour qu'elle soit beaucoup plus encadrante. Voilà. Mais évidemment, dans le respect du droit, de l'état de droit, c'est naturellement. Évidemment. Va sans dire. Point d'interrogation ou évidemment. Non, évidemment. Mais non, mais parce que c'est pas une coquetterie l'état de droit. Je veux dire, on ne peut pas vouloir construire un système meilleur si on part sur des bases viciées. De toute façon, donc on peut pas vouloir aucune dictature. Enfin, l'effort principal des dictatures est de se maintenir au pouvoir. Vous le savez dans l'histoire, voilà. Donc si on parle réellement d'une dictature, c'est-à-dire d'un pays autoritaire qui impose à ses citoyens des décisions qu'à aucun moment ils n'ont souhaitées, c'est jamais l'intérêt collectif qui prime dans une dictature. C'est toujours l'intérêt de ceux qui sont aux affaires. On le voit dans tous les pays, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Enfin voilà, malheureusement, les exemples ne manquent pas. Donc de toute façon, on ne pourra pas, à mon avis, faire l'impasse sur comment on rénove le système tel qu'il est, tout en lui permettant effectivement d'être beaucoup plus ambitieux sur le plan environnemental, ce qu'il n'est malheureusement pas du tout aujourd'hui. Franck, est-ce que vous avez une réaction sur ce qui vient d'être dit ? Non, mais je pense que, de toute évidence, la transition écologique doit devenir un sujet d'engagement citoyen, un sujet de débat public. Ça, c'est frappé au saut de l'évidence. La difficulté, c'est d'engager la conversation sur ce sujet-là, particulièrement complexe, avec les citoyens. On l'a vu dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, où force est de constater que ça a été compliqué. Ça a été compliqué d'abord en termes de légitimité, parce qu'on a soudainement considéré qu'il était possible de confier une sorte de mandat impératif à 150 citoyens qui n'étaient ni des représentants élus, ni
des députés professionnels formés, aguerris. Et c'était volontariste, je crois. Hein. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont accepté d'en faire partie. Alors c'était bien sûr une application volontaire. Hein. C'est pas un jury d'assises, hein. Donc on est parfaitement en capacité de dire non. D'autant que le processus même était un processus extrêmement engageant, extrêmement long. Ça a duré presque un an, peut-être même davantage. Il y a eu une petite dizaine de sessions pendant une dizaine de week-ends. Donc, de toute évidence, c'était un processus volontaire. Donc, on a déjà un souci de légitimité, c'est-à-dire dans quelle mesure faut-il recréer un entre-soi citoyen pour, avec cette promesse du sans-filtre, qui est selon moi un peu le péché originel de la démarche, aboutir à une impossibilité décisionnelle. Premier élément. Et en effet, sur la forme, sur le processus, on peut s'interroger sur le fait de savoir si le tirage au sort était le bon modèle. D'une part, parce qu'il y a des soucis de représentativité quand effectivement la participation n'est pas obligatoire. Donc ceux qui ont bien voulu jouer le jeu étaient par définition les plus impliqués, les plus engagés. Quand on cherche par ailleurs à respecter une forme de représentativité de quota, eh bien, je ne vous fais pas un dessin, mais si vous voulez absolument mobiliser une agricultrice de plus de 40 ans vivant dans le sud-ouest et que vous en trouvez une qui est prête à jouer le jeu pendant presque un an, eh bien, vous la prenez, quelles que soient ses convictions politiques. Donc c'est compliqué. Et puis, 150 citoyens, on a beaucoup parlé de cette forme de représentativité qui interroge quand on sait qu'un institut de sondage doit s'intéresser à au moins 1000 répondants pour être à peu près représentatif et limiter la marge d'erreur. Mais là, vous avez 150 citoyens qui se dispatchent en 15 groupes, enfin une dizaine de groupes de 15 personnes. Donc, alors là, vous avez complètement battu en brèche cette notion de représentativité. Voilà. Bon, je ne veux pas faire dans l'ultra méthodologie. Disons qu'on peut se poser des questions sur la manière, en effet, de mobiliser demain les citoyens sur ce type de questions, avec le souci de la formation requise et de l'information à disponibilité, le souci d'une certaine neutralité de l'expertise, et c'est toujours un sujet un petit peu à caution. Et donc, voilà, les dispositifs à mettre en œuvre aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont un petit peu imparfaits. Je terminerai en disant qu'il y a eu, pour terminer sur ce dispositif de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu l'équivalent de la Convention citoyenne pour le climat en Angleterre, au même moment, dont à peu près aucun média n'a parlé. Ça s'appelait Climate Assembly, c'est une démarche qui a mobilisé de la même manière à peu près 120 citoyens. Sauf que ces 120 citoyens, on ne leur a pas fait la promesse du sans-filtre. En réalité, ces citoyens ne se sont pas transformés en experts en légistique, c'est-à-dire dans cette capacité à fabriquer la loi, mais ce sont 120 citoyens qui ont exprimé les grands partis pris, les grands principes d'action de l'action publique en matière de transition écologique à respecter absolument par le gouvernement. Donc on a eu un produit de sortie qui n'est en aucun point comparable à celui de la CCC. Il n'y a pas 149 mesures, il y avait 25 grands principes d'action. Voilà, ça peut interroger sur les modalités, en effet, de mobilisation des citoyens dans un proche avenir. Thierry Pech, est-ce que vous voulez réagir sur ce qui a été dit sur la Convention citoyenne pour le climat ? Oui, avec plaisir. Je suis d'accord avec Franck Escoupès sur le fait que le sans-filtre était sans doute pas une bonne idée. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, la démocratie, c'est un jeu de filtres, et heureusement, ces filtres servent à écarter des impossibilités techniques, à consulter des acteurs qui ne l'ont pas été suffisamment, et donc c'est très vertueux, les filtres. Après, je suis en désaccord assez profond avec beaucoup d'autres points. D'abord, des points factuels, il n'y a pas eu 10 sessions, mais 7, il n'y avait pas 10 groupes de 15, mais 5 de 30, enfin, peu importe, ce sont des détails. Le point principal de désaccord, c'est qu'il n'y a absolument pas de mandat impératif dans cette histoire. La Convention citoyenne pour le climat n'avait qu'une fonction consultative, tout le monde le savait bien. Donc, je ne comprends pas cette idée de mandat impératif. Alors, sur les problèmes de représentativité, c'est très juste, mais il faut partir du point de départ. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire avec la Convention citoyenne pour le climat, c'est un exercice de
démocratie délibérative. On ne peut pas délibérer en face à face à 500 ou 1000 personnes, ou 1500. Si on veut délibérer en face à face, si on veut que les gens puissent échanger ensemble, se contredire, argumenter, eh bien il faut forcément un groupe un peu plus restreint. Et 150, c'est sans doute un maximum, c'est en tout cas le bon compromis, me semble-t-il, entre la possibilité de délibérer en face à face et, disons que c'est un maximum pour la délibération et un minimum pour la représentativité. Alors, sur cette affaire de représentativité, personne n'a jamais prétendu qu'on pouvait être représentatif au sens statistique du terme en réunissant 150 personnes qui seraient fondées à parler pour 60 millions d'autres. Ça, évidemment, ça ne tient pas debout. La loi des grands nombres est catégorique, ça n'est pas possible. Donc le type de représentativité qui était visé dans l'exercice, comme c'était le cas en Colombie-Britannique des années auparavant, en Irlande, à Birmingham dans l'expérience qui a été citée, en Écosse, à Madrid où la même expérience a été reproduite, c'est une représentativité descriptive. C'est-à-dire qu'on essaye de reproduire en petit les grands équilibres de la société française en l'occurrence. En termes d'âge, de sexe, de CSP, de catégories socioprofessionnelles, de niveau de qualification, de territoire, etc. Sans doute ce qui a manqué, ce qu'ont fait les Anglais, je crois qu'ils ont eu raison de le faire, c'est que parmi les critères de représentativité, on en introduise un qui concerne l'attitude face au sujet. Les Britanniques, enfin les Anglais en l'occurrence, à Birmingham, ont dit il y a en gros 7 ou 10%, je ne sais plus, de Britanniques qui sont parfaitement indifférents à la question climatique, eh bien, il faut que dans l'Assemblée citoyenne, il y ait la même proportion de gens qui se déclarent indifférents. Alors, ensuite, cette représentativité, elle a tout de même été testée, et je m'étonne que les travaux qui ont été conduits par notamment PSE, l'École d'économie de Paris, n'aient pas été cités dans ces débats. On a contrôlé la représentativité de cette Assemblée, et il s'est avéré qu'en effet, il y avait un biais de sélection, lié au volontariat, mais que ce biais de sélection était relativement modeste en réalité. C'est-à-dire que les gens qui étaient réunis dans la convention étaient en effet un peu plus sensibles au climat que la moyenne des Français, mais un peu plus seulement. Et que par ailleurs, ils avaient les mêmes contradictions que les Français. Par exemple, ils disaient « l'étalement urbain, c'est pas bien, mais j'ai pas envie d'aller vivre dans une zone dense ». Bon, contradiction typique de la population et de beaucoup d'entre nous du reste. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que cet échantillon n'était pas représentatif en termes descriptifs. Je crois qu'il y avait des limites, qu'on peut les corriger, mais qu'il est très exagéré de considérer que, faute de représentativité parfaite, ça n'a pas de valeur. Voilà. Franck voudrait dire un mot. On ne fera pas tout le débat dessus, hein, mais juste un mot. Oui, non, je voudrais être un tout petit peu, à mon tour, corriger quelques perceptions. Alors d'abord, le fait qu'on réunisse les citoyens par groupe de 15 ou par groupe de 30 n'a à peu près aucun impact sur le souci de représentativité. Ça reste de facto des échantillons qui sont infra-critiques en termes de taille pour être pour refléter ce qu'on a appelé, je le rappelle, la France en miniature. Cette expression n'était pas complètement gratuite. Elle signifiait bien qu'on essayait, bon an mal an, de refléter la diversité des points de vue des Français autour de la transition écologique. Je m'interroge quand même sur le fait que cette représentativité, elle n'a pas permis de mobiliser les invisibles, hein, les exclus de la démocratie, les sans-voix de la démocratie, ceux qui s'expriment jamais sur ces sujets, et qu'on avait quand même une très très forte cohérence, une très forte homogénéité. Premier élément, et ça c'est indiscutable, c'est factuel, c'est observable, il suffit de regarder hein, les travaux qui sont d'ailleurs tout à fait transparents et qui sont visibles sur le web. Juste petite précision là-dessus, pour pouvoir les embarquer, il aurait fallu faire quoi cette catégorie de personnes? Alors, de mon point de vue, il aurait fallu procéder complètement différemment, c'est-à-dire, d'une part, sur le souci de représentativité, puis je terminerai par cette notion des exclus de la démocratie. Sur le souci de représentativité, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on n'a pas, à l'issue de la CCC, de la Convention citoyenne pour le climat, imaginé de soumettre les 149 projets de réforme à précisément des échantillons représentatifs de la société française sous la forme d'une méthode des quotas un peu classique qui aurait permis de lisser
probablement quelques travers de la représentation. Premier élément, on aurait pu le faire de manière extrêmement simple. D'ailleurs, ça se fait dans un certain nombre de débats publics où on essaye d'extrapoler à une échelle plus vaste les résultats d'un atelier citoyen. Maintenant, sur la difficulté de mobiliser en effet ceux qui ne se mobilisent pas spontanément sur ce type de sujet, eh bien, je crois qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui relèvent de ce qu'on appelle en anglais le community organizing, hein, qui consiste à repérer des communautés qui s'expriment peu, qui elles-mêmes peuvent nommer au sein de leur pair des représentants. Et par effet de cascade, ces représentants deviennent des porte-paroles, c'est du porte-parola, qui se distribue sur les territoires, et on aurait pu remonter au travers de ce porte-parola des expressions plus diverses et variées. Voilà, maintenant, je veux terminer là-dessus. Je pense que ça devient un débat d'experts sur la méthode. Donc il ne faut peut-être pas aller trop loin. Je pense que le seul regret que j'ai, à la limite, n'est pas véritablement le fait qu'il y ait eu un tirage au sort dans la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'on ait transformé ce tirage au sort en une forme d'hubris méthodologique qui a considéré, je me permets de vous orienter quand même sur la couverture médiatique de l'époque, qui a considéré que c'était l'alpha et l'oméga de la participation citoyenne. Donc il y avait quand même une volonté de présenter le tirage au sort comme l'aboutissement ultime de la participation citoyenne. Je réitère le fait qu'on aurait pu éviter un entre-soi citoyen, on aurait pu imaginer des dispositifs beaucoup plus massifs, on l'a vu dans le grand débat, et je conclurai en disant que on a fait l'exercice, très documenté pour le coup, de regarder s'il y avait des différences majeures entre les préoccupations des citoyens qui ont été exprimées lors du grand débat national et les préoccupations qui ont été exprimées lors de la Convention citoyenne pour le climat. Eh bien, j'ai un scoop. 90% des préoccupations sont les mêmes. C'est-à-dire que ce qui a été évoqué dans le grand débat national se retrouve dans les 149 mesures, à quelques dizaines près, dans les 149 mesures qui ont été mises en avant lors de la Convention citoyenne pour le climat. Donc j'ai envie de dire, avait-on besoin de répliquer l'exercice? En tout cas, pouvait-on imaginer une autre forme d'exercice? Après, la Convention citoyenne a donné un focus extrêmement important sur... sur ces grands enjeux, et peut-être qu'il y a eu des conséquences indirectes et qui ont permis de rebondir et de sensibiliser les gens et d'avoir pour le coup, ce que disait Thierry Pêche, un véritable moment démocratique, un enclenchement de moment démocratique. Et justement, cette convention citoyenne pour le climat, elle a son petit frère ou sa petite sœur, la convention des entreprises, je crois, sur le climat. Et de ce qu'on entend là, comment est-ce que vous, Yannick, vous avez quelle démarche vous avez adoptée pour, j'imagine que c'est pour enclencher le même mouvement, mais auprès des entreprises. Oui, absolument. C'est une réflexion différente quand on se place du point de vue de l'entreprise et surtout de la dirigeante du dirigeant. La Convention des entreprises pour le climat, c'est 150 dirigeants qui viennent en leur nom, au nom de leur entreprise, pour faire plusieurs choses. Et dans un premier temps, pour travailler sur une feuille de route pour leur entreprise qui se projette à horizon 2030 et fasse l'exercice intellectuel de pousser tous les curseurs au maximum sur les sujets non seulement climat, mais biodiversité, pollution, déplétion de ressources. Et l'idée, c'est que si on fait cet exercice et qu'on pousse les curseurs au maximum, on va très, très probablement se retrouver dans une situation où on se dit « Ok, ce plan, il a l'air cool, mais si je le fais tout seul, je vais planter mon entreprise parce que personne ne va me suivre. » Et du coup, ce qu'on a envie de faire, c'est répliquer cet exercice 150 fois et que ça serve de démonstration de ce qui peut et ce qui doit changer. Une grande différence, c'est que on commence par ça et le cadre réglementaire, la légistique sur laquelle réfléchissaient les citoyens, c'est quelque chose qui prend très longtemps à changer. Et si on regarde la légistique, et notamment au niveau européen, et l'encadrement de l'activité des entreprises, ça se traduit, ça devrait se traduire, notamment par une notion de taxe carbone. Taxe carbone, aujourd'hui, à un niveau mondial, c'est à peu près 20% des émissions qui sont couvertes. C'est The Economist en 2019 qui citait un prix moyen d'à peu près $25 versus $75 qui était un niveau préconisé par le FMI, dont le mandat est plus économique qu'écologique. Et donc taxe carbone, ça fait une trentaine d'années qu'on y travaille et on est toujours extrêmement loin. Donc quand on rajoute par-dessus ça
la biodiversité, la pollution, les déplétions de ressources, et qu'on voudrait intégrer toutes ces externalités dans un système de taxation, on se dit que ça va prendre extrêmement longtemps. Et du coup, quand on parle à des entrepreneurs engagés, qui sont conscients, qui ont envie de s'investir dans ce sujet, parce que sur la convention des entreprises, comme on demande au minimum 12 jours pleins de leur temps sur 8 mois des dirigeants d'entreprises qui vont jusqu'à une taille de 250 000 employés, il y a un biais énorme parce que s'ils ne sont pas convaincus par le sujet, ils ne vont pas les investir ces 12 jours. Et la question de ceux qui ont envie d'agir, c'est « Ok, le cadre réglementaire doit changer, je sais que ça prend du temps, en attendant, je fais quoi ?» Et du coup, on est dans le sujet démocratie. La démocratie, elle doit aussi protéger la prise de risque. Nous, on voit vraiment ça comme un dilemme du prisonnier à échelle massive. C'est comment on peut générer, comment on peut créer, encourager les conditions de la coopération dans le monde économique, et que ça joue un peu un rôle de porte-étendard pour le monde politique, pour que ça rassure aussi le monde politique sur le fait que si je suis dans un groupe parlementaire et que je propose quelque chose d'ambitieux, que je sache que je ne suis pas tout seul et que dans le monde économique, on a tendance à dire bah, le monde économique ne voudra pas. Ben non, il y a 150 entreprises, je ne sais pas encore ce qu'elles vont amener comme proposition, mais ce collectif amènera le point de vue de quand on se projette, en se désinhibant de ce que je ne peux pas faire dans les médias, à quoi ça ressemblerait. Dans ces 150 entreprises, vous avez rallié des organisations type MEDEF, Réseau Entreprendre, ou c'est vraiment des entreprises individuelles, plutôt ETI, plutôt CAC 40 d'ailleurs ? Très bonne question. Donc il y a les 150 participants qui sont des entreprises. À quelques exceptions, on va dire près, par exemple, il y a l'Institut du Commerce, qui est une association qui représente 2500 distributeurs. Il y a Pôle Emploi qui est participant aussi, qui sont là pour réfléchir à leur transformation organisationnelle. Et il y a aussi un comité de garants dans lequel on a Arnaud Leroy de l'ADEME, Nicolas Dufourcq, le président de la BPI, on a Mathieu Zanet du Chief Project, Fabrice Bonifay du C3D, on a les étudiantes pour un réveil écologique, et donc on a les entreprises qui sont là pour réfléchir à leur transformation, et le comité de garants qui est là pour garantir la justesse de l'ambition et de la méthodologie qu'on est en train d'appliquer. Et sur les entreprises, ça va de la consultante unipersonnelle à des entreprises cotées, à des branches françaises d'entreprises cotées, par exemple Heineken, Caterpillar, Akzo Nobel qui est dans la peinture. Il y a vraiment un énorme panel. Et en entreprise française, on a par exemple en grande entreprise Pierre et Vacances Center Parcs, c'est 15 000 employés. Donc il y a vraiment... On a, sur les 150, on a peut-être 20 qui font plus de 1000 employés, et après une énorme diversité entre 1000 et 1. Et notre volonté, c'est à travers ce panel d'avoir été représentatif non pas des niveaux de conscience et d'engagement dans le monde économique, mais des types d'activités économiques, et du coup de créer un contexte où le DG France d'Heineken va se mettre à réfléchir au sujet de transition avec le DG de Renault Trucks. Et qu'est-ce que ça donne, ça ? Ça permet de créer de l'intelligence collective vraiment différente, où on sort du contexte de « je m'inhibe parce que je suis au milieu de mes concurrents et que je ne peux rien laisser paraître ». Là, on leur offre un cadre protecteur, on va dire, où ils peuvent complètement se désinhiber sur leur réflexion. Aussi, ce qui est très délicat avec les dirigeants d'entreprise, et plus l'entreprise grandit, c'est que si je suis dirigeant, quelque part aussi, si je suis acteur dans le monde politique, j'ai pas vraiment le droit de pas savoir. J'ai pas le droit de dire à mes employés, à mes actionnaires, à mon écosystème, je sais pas. J'ai très envie de savoir, mais là, tout de suite, je sais pas. Et donc, il va falloir que je réfléchisse. Ça, on n'a pas le droit de le dire. Et du coup, c'est ça qu'on veut créer, c'est ce moment, cette parenthèse, qui soit à la fois de l'exigence sur le constat et sur le fait qu'il faut aller vite, mais de la bienveillance. Et je pense que c'est ça aussi, dans une démocratie où la tentation populiste s'accélère, on est dans un flux d'informations constant où prendre le temps, ça devient de moins en moins possible, et moins on a le temps de prendre le temps, plus il faut avoir des positions tranchées vite. Et ça, c'est absolument destructeur pour se donner une chance de transition. C'est intéressant, ça, sur les coopérations qu'on voit arriver entre les entreprises, même concurrentes, sur des grands sujets. Ça, c'est une véritable forme de démocratie, on va voir. Et ce que je voudrais
Sinon, je ne voudrais pas le préciser. Je vais laisser Philippe Levendic le préciser. Je voudrais votre retour. Est-ce que là, on a un bel exercice démocratique en intégrant ces personnes morales dans le débat? Merci. Je vais tout d'abord rebondir sur votre interpellation initiale, parce que tout le monde après a dévié. Je vais avoir un réflexe d'ingénieur pour pouvoir intervenir là-dessus. Je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une vraie dictature qui est celle des sciences dures, de la physique, de la chimie et de la biologie. Moi, je suis quand même très frappé de voir que dans ces débats, des postures économiques et politiques qui ont l'air de feindre que ça n'existe pas. Bon, ben, je suis désolé, l'iceberg du Titanic, il existe. Tout ce qu'a dit le GIEC depuis 30 ans, je veux dire, le GIEC l'a dit il y a 30 ans, c'est en train de se produire, etc. Ça, c'est une vraie dictature. Et après, la question qui se pose, c'est comment on s'adapte par rapport à ça. Le deuxième commentaire, c'est qu'il est prouvé à peu près partout que globalement, les stratégies coopératives réussissent mieux que les stratégies conflictuelles. Et donc, ça veut dire que, bien entendu, oui, la démocratie, parce que s'il n'y a pas de meilleure solution que celle-là, c'est difficile et ça peut être compliqué. Mais naturellement, effectivement, si on veut maximiser les perdants, il faut prendre un autre système. Le troisième point, effectivement, de la discussion d'aujourd'hui, c'est ben oui, mais quelle démocratie ? Et c'est clair qu'aujourd'hui, on a tous la perception que, pour différentes raisons, la démocratie telle qu'on l'a pu la connaître ne fonctionne plus aussi bien, effectivement, même s'il y a des choses qui s'améliorent par ailleurs. Et je vais essayer, moi, de retenir deux ou trois idées, et en particulier en rebondissant cette fois sur votre dernière interpellation, par rapport à pourquoi ça ne marche pas bien ou pourquoi, effectivement, actuellement, on vit quand même une période dans laquelle c'est compliqué d'apporter une réponse pour la transition écologique. Bon, je pense que c'est général et ça ne concerne pas que la transition écologique. On est dans une démocratie vraiment centrifuge en ce moment, c'est-à-dire qu'on a un éclatement politique sur tous les domaines, sur tous les secteurs, et avec effectivement des stratégies de moins en moins coopératives et, je dirais, de moins en moins d'intelligence collective. À l'inverse, je dirais, il se trouve que les gens étaient peut-être trop habitués à ce que ce soit l'État ou la puissance publique qui organise l'intelligence collective. Le bon côté des choses, qu'on peut considérer comme positif, c'est le fait effectivement qu'il se développe des formes d'intelligence collective que je qualifierais de décentralisées, et c'est très bien. C'est-à-dire que ça peut être sur le plan sectoriel, ça peut être dans des territoires, et ça, je pense qu'effectivement, il faut valoriser ça. Le deuxième point sur les difficultés de la démocratie actuelle, c'est que dans la plupart des démocraties, on est de moins en moins avec une prise en compte du temps long. Alors le quinquennat, c'est bien connu en France, effectivement, a induit des effets quand même pervers. Mais quand il y a eu les 30 glorieuses, quand il y a eu le gaullisme, que effectivement un certain nombre de gens valorisent aujourd'hui, oui, c'était une période aussi où il y avait du temps long et les réflexions et les investissements et les stratégies, elles étaient faites sur le temps long. Donc clairement, comment prendre en compte le temps long, sachant que là, avec la transition écologique, on est au cœur d'un sujet sur lequel on est dans le temps long. On devrait avoir effectivement quelque chose qui fonctionne dans le temps long. Et le dernier sujet qui, moi, me touche, effectivement, là où je suis aujourd'hui, et qui, là, franchement, s'est beaucoup dégradé ces dernières années, c'est l'articulation entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Il y a un gouffre entre toutes les initiatives d'intelligence collective et de démocratie participative que l'on peut connaître, quand on doit passer après à la décision publique. C'est absolument terrifiant, et je pense que c'est là où effectivement la dégradation a été la plus forte au cours des dernières années. Donc la démocratie pour la transition écologique, oui, évidemment, mais après, laquelle et comment on peut effectivement essayer d'apporter des améliorations par rapport à une situation actuelle qui se dégrade? Madame la députée, sur le politique. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que le politique aujourd'hui intègre cette intelligence collective ? Et une deuxième question, c'est est-ce que le politique est... On exige du politique un temps long que la fonction politique, ou que la fonction d'élu plutôt, peut ou ne peut pas permettre ? Alors, sur... évidemment, je reviens aussi sur la dictature verte, parce que ce terme interpelle et on ne peut pas réagir. C'est que évidemment la dictature s'opposant à la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et quand on entend finalement l'ensemble des prises de parole, on voit bien que la démocratie, elle a perdu en attractivité, elle a perdu en vitalité et on s'aperçoit qu'on arrive à un moment où on a besoin que ça change et que ça évolue. Les taux d'abstention aux dernières élections le démontrent largement. C'est que finalement, aujourd'hui, nos concitoyens tournent le dos à cette... pas sur le principe de la démocratie, mais finalement à cette participation. Et comment est-ce qu'on peut faire revenir les gens au cœur du dispositif ? L'écologie, on voit bien que c'est un sujet qui interpelle et qui ramène
le public. Et on voit que la Convention citoyenne pour le climat a quand même une grande visibilité et elle a eu finalement aussi un impact. On entend beaucoup plus parler d'écologie. Alors, la difficulté sur le plan politique, c'est que l'écologie est toujours sanctuarisée. C'est l'écologie et les autres politiques publiques. Tant qu'on fonctionnera comme ça, on n'avancera pas. Tant que l'écologie ne sera pas diffuse dans l'ensemble des politiques publiques, dans les partis politiques, dans le débat courant politique, on n'arrivera pas véritablement à avancer. Et cette transition dont nous parlons systématiquement, on parle de transition à l'horizon 2030. D'ailleurs, l'horizon, comme son nom l'indique, hein, il recule, puisqu'on a dit 2030, là, ça commence à être 2050. À 2100, donc on pourra toujours continuer avec ces horizons et finalement on ne les atteindra jamais. C'est plus la transition. Aujourd'hui, on doit être au cœur de la transformation. Au cœur de la transformation qui nous permettra justement d'atteindre ces objectifs. Et 2030, il ne faut pas attendre au-delà de 2030. Les 2040 et les 2050, il ne faut pas aller au-delà. On ne peut pas se le permettre. On ne peut pas aujourd'hui se payer le luxe de se dire on attendra plus tard. Pour autant, quand on est dans une démarche démocratique, on a ces concertations, on a le législateur, évidemment, des lois à mettre en place et ensuite la mise en œuvre de celles-ci et qui va prendre un temps, effectivement, qui va dépasser le mandat, certainement le mandat électif, puisque quand on est sur un quinquennat, cinq ans, c'est effectivement extrêmement court pour partager une vision, proposer un texte de loi, le mettre en œuvre, etc., etc. On voit bien les derniers textes qui ont été mis en œuvre, notamment sur la taxe carbone, par exemple. Ça avait été voté sur des précédents mandats et puis ça n'a pas été assumé ensuite. Enfin, c'est assez difficile, finalement, de mettre en œuvre ces engagements et surtout d'avoir cette vision globale qui nous permette véritablement de changer les choses. Moi, à titre personnel, c'est pour ça que j'ai souhaité engager le Parlement à s'inscrire dans les objectifs de développement durable pour déjà atteindre ces objectifs, qui ne sont plus des horizons, qui sont des objectifs que l'on doit atteindre, et finalement d'intégrer les objectifs de développement durable dans le processus législatif pour qu'on arrête de tourner autour du pot et qu'on se dise maintenant, on a des enjeux qui sont majeurs, qui sont cruciaux, et nous devons agir maintenant. Et on arrête de légiférer, on arrête de déposer des textes de loi et des amendements si nous ne répondons pas à cette urgence. Et c'est justement la résolution qui est la mienne pour ce sujet. Et sur la dictature, un dernier mot sur la dictature verte, elle est aussi bleue. N'oublions pas le bleu, parce que... Le bleu, pour moi, politiquement, c'est ailleurs. Je vous écoute. N'oublions pas le bleu, parce qu'on connaît tous les enjeux et les difficultés sur les ressources en eau, et qu'il y a une vraie question sur le bleu, sur les questions environnementales. Oui, je le parle sur ce plan-là. Et c'est un sujet qu'on peut pas laisser de côté. Alors oui, le vert, mais n'oublions pas le bleu. Mais on y reviendra, ce serait intéressant d'avoir... Justement, puisqu'on parle de politique, on parle de démocratie, de voir, et j'ai une question, je vous la mets en suspens, est-ce que la droite peut être écologique ? On y reviendra tout à l'heure. Arnaud ? Oui, non, je voulais juste rebondir sur les propos de Madame la députée, parce qu'effectivement, c'est très intéressant que finalement, la politique d'un gouvernement, quelle qu'elle soit, qu'elle porte sur les transports, qu'elle porte sur l'éducation, qu'elle porte sur l'hôpital, qu'elle porte sur que sais-je, soit intégralement passer à la moulinette, si je puis dire, des objectifs de développement durable. Et je pense que tant qu'il y a un ministre ou une ministre de l'Environnement, c'est que ce pays a un problème. Parce que précisément, il ou elle est cantonné dans son champ d'action, à côté d'autres ministres qui sont plus ou moins importants, qui jouent des coudes, etc. Pendant très longtemps, je veux dire, là, on est dans une période où on dépense beaucoup d'argent parce que voilà, on sort d'une période particulière, mais pendant très longtemps, on sait très bien que c'est Bercy qui passait tout à la moulinette des objectifs de chaque loi. Chaque loi, elle était regardée avec une espèce de surmoi surplombant qui était Bercy. Un surmoi d'autant plus puissant qu'il n'était pas dit. Bon, il faut que ce surmoi, ça devienne le ministère de l'Environnement. Alors, est-ce qu'on doit parler d'un premier ministre de l'Environnement ? Est-ce qu'on doit, etc. ? Il faut impérativement aujourd'hui que les contraintes, parce que c'est un mot qu'on n'a pas envie de prononcer, moi je ne parle pas forcément de dictature, mais en tout cas de contraintes, ça c'est incontestable. Il y a aussi un autre mot qu'on n'a absolument pas envie de prononcer, mais qu'il faut prononcer, ce sont les efforts. Les efforts doivent être intégrés dans le processus législatif. C'est-à-dire que quand vous faites passer une loi,
il y a des impératifs qui sont des impératifs administratifs. Parce que la difficulté, je crois, du fait que les lois reposent entre les mains d'un ou une ministre de l'Environnement, c'est que c'est lui ou elle qui devient le bouc émissaire de la chose. Donc en fait, pour peu qu'il soit un peu ambitieux, comme on a vu avec le ministre Hulot, par exemple, très vite, ça devient le bouc émissaire, etc. Puis à un moment, ça devient pas tenable, il claque la porte. À partir du moment où chaque loi, chaque réglementation, chaque proposition de loi, dans tout le processus législatif, a ce surmoi, je répète, qui est le surmoi environnemental, la contrainte est permanente. Et on peut pas, on peut plus s'adresser à un bouc émissaire qui deviendra la casse-pied Pompili, le casse-pied Hulot, etc., etc. Et je pense que, paradoxalement, pour que l'effort, le sentiment d'effort se dilue, le sentiment de contrainte se dilue, parce que vous savez, il y a un ressenti en matière d'effort ou de contrainte. Les Français sont très forts pour vouloir faire des efforts quand c'est les autres qui doivent les faire. Pour que ce sentiment se dilue, il faut que la contrainte, elle devienne administrative. Parce qu'en réalité, on vit déjà, il ne faut pas se mentir, on est dans un système, la social-démocratie, qui est pétri de contraintes. On peut pas, si je veux me promener avec une Kalachnikov dans la rue, ce n'est pas possible aujourd'hui. Si je veux aller acheter de la radioactivité, ce n'est pas possible aujourd'hui. Si je veux acheter ne serait-ce qu'un médicament qui ne m'a pas été prescrit, ce n'est pas possible. Si je veux rouler à 250 km/h sur l'autoroute, ça n'est pas possible. On est entouré, on vit comme des poissons dans l'eau sans voir qu'on vit dans l'eau. On vit entouré de contraintes, qui sont des contraintes très souvent légitimes, hein, par ailleurs, qui font qu'on le fameux vivre ensemble. On vit entouré de contraintes. Et ces contraintes sont très souvent des contraintes administratives. Et de fait, on peut râler, on peut dire ça, mais on ne les voit pas. Elles ne sont pas portées par une tête de Turc en particulier. Donc elles sont, je pense que si elles étaient diluées en les rendant administratives, ces contraintes, alors là, il faudrait réfléchir comment faire ça. Je pense qu'elles seraient plus indolores, me semble-t-il. Alors, justement là-dessus, Thierry Pech, si on parle de hiérarchie des normes, est-ce que l'une des contraintes, ou en tout cas pour intégrer ça, c'est pas de faire de la Constitution française, de placer en fait les logiques environnementales et climatiques au sein de la Constitution française, et tout, ça nous rappelle donc les éléments de la Convention citoyenne. Alors, pour répondre à votre question, je vais repartir de l'interrogation initiale sur la dictature verte. Je voudrais dire une chose très simple. Il y a dans le monde beaucoup de dictatures, et je n'en vois pas une seule qui soit verte. Et je pense que c'est pas un hasard. Je pense que spontanément, les gens qui conquièrent le pouvoir de façon personnelle et le conservent avec autorité et violence ne sont pas écolos. Ils ne courent pas après le pouvoir pour sauver la planète. Donc, faut pas se faire d'illusions, il y aura des dictatures, mais avant longtemps, elles ne seront pas vertes. Alors nous, on a un problème en démocratie, c'est que la démocratie, c'est l'art de se gouverner collectivement. Et au fond, est-ce qu'on se gouverne vraiment collectivement? C'est cette question qu'il faut se poser de façon très franche et très, très lucide. On se gouverne collectivement par l'élection, c'est sûr. Et est-ce que ça suffit? La réponse est non. L'écotaxe a été, je vous le rappelle, votée à la quasi-unanimité des députés à l'Assemblée nationale. Et néanmoins, elle a soulevé une réaction sociale très forte qui l'a mise à terre en quelques semaines. Il faut bien voir que la transition écologique, elle modifie nos modes de vie, nos styles de vie. Elle va très loin dans son ambition de transformation. Elle modifie nos façons d'habiter, de consommer, de nous déplacer. Et donc, c'est pas une transition, c'est pas une inflexion de quelques degrés de nos décisions. C'est un changement de modèle. Et pour ça, ça suppose qu'on crée une large assise populaire autour de cette transition. Alors, comment on fait? On a parlé des outils de la participation, de la délibération tout à l'heure, je vais pas y revenir, mais je crois qu'il nous manque aussi des outils de négociation. Je vais vous donner un exemple. En Ile-de-France, la logistique marchande, vous savez, tous les utilitaires qui font de la livraison toute la journée dans l'agglomération, c'est probablement 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport dans l'agglomération. C'est beaucoup. Alors bien sûr, c'est pas Amazon ou UBS qui ont des flottes modernes. C'est des centaines de petites entreprises qui ont quelques véhicules, souvent vieux et souvent très polluants. Ces gens-là, demain, si vous leur dites « Écoutez, on va faire une zone à faible émission au cœur de l'agglomération, vous ne pourrez plus y entrer », eh bien, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas les marges pour renouveler leur parc automobile, etc. Donc, il faut les mettre autour d'une table, une table de négociation, avec des banquiers, avec des constructeurs automobiles, avec la puissance publique, pour voir à quelles conditions ils peuvent eux aussi entrer dans la transition. Parce que si on n'arrive pas à vaincre ces résistances-là, eh bien, on n'avancera pas. Et c'est pareil dans l'agriculture, c'est pareil dans beaucoup d'autres secteurs.
C'est-à-dire que vous avez le niveau de la discussion entre citoyens, et c'est très sain, c'est très bien. Vous avez le niveau de la discussion entre les représentants, et c'est absolument nécessaire. C'est là qu'est la légitimité décisionnelle. Mais il faut aussi des strates d'organisation de la discussion avec les acteurs eux-mêmes, sinon on n'y arrivera pas. On peut mettre autant de surmoi qu'on veut, je suis d'accord avec ce qui a été dit à l'instant, il faut du surmoi dans la fabrication des lois. D'abord, il y a un surmoi institutionnel qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Alors en effet, je viens à votre question, si on inscrivait un peu plus de contraintes écologiques dans la Constitution, le Conseil pourrait à la fois censurer des lois contraires aux engagements qui sont inscrits dans le temps long de la Constitution, parce que la Constitution, c'est du temps long, mais il pourrait aussi demander aux législateurs de veiller aux obligations de moyens qui sont liées aux lois qu'il adopte, et ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a une autre forme d'exercer le surmoi de façon institutionnelle, c'est d'exiger que dans les études d'impact, il y ait un contrôle de cohérence climatique et de cohérence écologique des lois qui sont adoptées avec celles qui les ont précédées. Mais à la fin, le seul bon vrai surmoi, c'est d'avoir des dirigeants qui soient eux-mêmes convaincus et qui aient un fort leadership écologique. Et donc, je vais vous dire les choses, je vais mettre les pieds dans le plat. Tant qu'on n'aura pas à Matignon un Premier ministre qui assure la transversalité des questions écologiques dans toutes les politiques publiques et qui en assure le portage politique, eh bien, on aura cette guérilla entre les ministères, entre les groupes d'intérêt, etc. Donc, à la fin, on ne fera rien sans une forte volonté politique au plus haut niveau. Une étape, je crois, se joue aujourd'hui dans un certain parti. On verra ce que ça donne. Yannick ? Oui, moi, je voulais réagir parce que c'est... ajouter quelque chose. L'année de la convention d'entreprise a démarré il y a 2 semaines et on a eu la première session. Et quelque chose qu'on a vraiment observé, c'est que la notion d'effort, hyper importante, la notion de cadre de négociation. Et qu'est-ce qui fait que la notion d'effort, on va l'accepter sociétalement, je vais l'accepter personnellement, il y a vraiment la question du récit qu'on se raconte, d'aller chercher au fond de nous ce qu'il y a de profondément humain et parler autant au cerveau droit qu'au cerveau gauche. Parce que par exemple, si à titre personnel, le récit que je me raconte, c'est que je veux devenir le prochain Antoine Griezmann, j'ai aucun problème à me lever à 6h du matin tous les jours pour faire 2 heures de jogging, 150 pompes et être le premier sur le terrain. Oui, non, moi, personnellement, c'est trop tard, de toute façon. Sur la question de la transition écologique, si on reste dans l'imaginaire 30 glorieuses de « j'ai un formidable avenir devant moi de croissance, de nouvelles technologies, de toujours plus de possessions matérielles », bah c'est ça qui va faire péter les choses et qui rend impossible la transition. Le récit à se raconter pour une transition réussie, c'est un récit différent. Et lié à ça, c'est la question du courage, quand on parle de leadership politique. Qui va avoir le courage dans une campagne partant d'une vraie chance de pouvoir être élu, de raconter un récit différent, un récit qui embarque et qui donne envie, qui contextualise des efforts. Et par exemple, quand on parle de parler de sobriété heureuse, par exemple, plus que de dictature de dictature verte. Je ne sais pas si ça fera réagir, mais c'est cette notion d'imaginaire sans parler à l'humain, ça ne sert à rien d'aller taper que sur le rationnel. Et c'est vraiment, avec des dirigeants d'entreprise, on pense qu'on n'a que des personnes rationnelles, mais quand on prend le temps de prendre le temps, on se rend compte qu'on a vraiment des humains aussi et que c'est ça les moteurs. Complètement. Je ne peux que me retourner auprès de vous, madame la députée, le récit. Oui, mais c'est, je partage totalement cette remarque parce que jusque-là, pendant des années, on nous a parlé d'écologie avec des politiques punitives et avec un discours anxiogène. On l'entend encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait des années et ça dure encore aujourd'hui. On n'arrive pas à avoir justement ce discours d'adhésion. C'est comme la ceinture de sécurité. On vous dit attachez aux ceintures de sécurité, sinon vous allez avoir une amende. Non, attachez aux ceintures de sécurité. Ça, si jamais vous avez un accident, vous n'allez pas mourir. C'est là. Là, je me permets de m'inscrire en faux là-dessus parce que la ceinture de sécurité, il y a eu un livre qui est sorti là-dessus, elle a suscité exactement les mêmes réserves à l'époque où elle a commencé dans les années 70 à être mise en œuvre. On a, les pouvoirs publics n'ont cessé de répéter que c'était pour le bien, ô combien, à la fois de vous et puis des gens qui sont dans la voiture. Il y a eu quand même des... Enfin, moi, le concept de mesures punitives me paraît
extrêmement problématique. Parce que si on parle de courage, comme Yannick parlait tout à l'heure de courage, le courage, c'est pas dire vous allez être beaucoup plus heureux, c'est formidable et tout va être génial dans votre vie, votez pour moi. Parce que ça, ils le font tous déjà. Mais le courage de que la transition nous réclame, et Dieu sait qu'il est important, les efforts que réclame. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un Français, il faut le dire quand même, un Français en moyenne, il dépense 10 tonnes, il émet 10 tonnes de CO2 par an et par habitant. Voilà. Si on voulait être dans les clous de la COP21, des accords de Paris, c'est 2 tonnes. Voilà. C'est-à-dire qu'on est censé réduire de 5... Un voyage en avion. Ah bah, ça dépend où, votre année, elle est faite. Vous allez à Paris-New York, votre année, elle est faite. C'est réglé en termes de CO2. Donc, moi, je veux bien que l'écologie punitive... Voilà. Oui, il faut donner envie, mais si vous savez comment donner envie de faire des efforts, moi, vous serez plus fort. Vous serez plus forte que jusqu'ici les gouvernants qui ont été là. À un moment, je pense que le courage, c'est aussi de dire oui, on va rentrer dans une période peut-être de contraintes et peut-être même de privation. Voilà ce que je crois. Mais elles existent déjà, il faut aller encore plus loin, mais pour autant, ça n'est pas aujourd'hui par la peur qu'on doit fonctionner. Si vous voulez, c'est que je pense qu'on a aussi un besoin de compréhension. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les conséquences du dérèglement climatique, on ne les perçoit pas tous de la même manière. On n'est pas tous, en fonction de là où nous nous trouvons sur cette planète, on ne les vivra pas de la même manière. Vous voyez, je suis originaire de Madagascar. Et Madagascar est le premier pays impacté par le réchauffement climatique. Alors oui, bon, je prends un peu l'avion parce que j'y vais de temps en temps. Mais c'est effectivement, et on voit bien finalement qu'en fonction de là où on va se trouver sur Terre, on n'aura pas les mêmes, on ne va pas le vivre de la même manière. Et pourtant, les premières victimes et les premières impactées aujourd'hui réfléchissent plus à ce qu'ils vont manger demain qu'à ce qu'ils vont, ce qu'ils doivent diminuer les déchets ou vivre autrement. Donc c'est comment est-ce qu'on peut justement avoir une politique qui va finalement s'adapter à tous ces modes de vie qui sont totalement différents. Il y a une hétérogénéité qui est telle que finalement, quand on pose un cadre et le même pour tous, on se rend compte, on est confronté à des inégalités qui sont extrêmement profondes. La transition est très bonne. Est-ce que c'est un truc élitiste, en fait ? Est-ce que ce sujet de transition écologique, c'est quelque chose qui n'appartient qu'aux pays développé, qui n'appartient qu'à une certaine catégorie de population? Est-ce qu'on est déjà dans une rupture d'intérêt, que ce soit à court terme ou à long terme? Franck. Je crois que l'une des difficultés majeures du discours sur la transition écologique aujourd'hui, c'est que ce discours ou ce récit s'oppose à l'entrée en politique du régime des émotions et du ressenti. Et qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'omettre dans l'équation l'existence de cette nouvelle réalité politique qui est que de très nombreux citoyens vivent une situation d'épreuve. J'ai envie de faire référence à un livre cardinal qui vient d'être publié par Pierre Rosanvallon sur les épreuves de la vie et qui dit en substance en réalité beaucoup de nos concitoyens ressentent un sentiment de mépris, un sentiment d'injustice, un sentiment d'incertitude, un sentiment de discrimination qui fait que cela devient presque impossible d'écouter un discours rationaliste ou une politique rationaliste quand on est dans ce registre émotionnel. On l'a vu avec les gilets jaunes, où les gilets jaunes ont réagi dans leur grande majorité quand il s'est agi de la taxe sur l'essence et puis des 80 km/h, avec ce sentiment que, sans être profondément anti-écologiste, on méprisait la situation réelle, le vécu, le ressenti, la situation de vie réelle de ces gens-là, qui avaient besoin de leur voiture pour se déplacer au quotidien, tous les matins, tous les soirs, etc. Donc je crois qu'il y a
une forme de, je ne veux pas dire d'impasse émotionnelle, mais en tout cas de prise en compte, de prise en considération de cette nouvelle réalité du jeu politique qui, de mon point de vue, est bien plus opérant que le raisonnement autour des grands intérêts économiques ou des discours plus rationnels sur, sur ce qu'il faudrait faire, effectivement, et de toute évidence, pour sauver la planète. Et ça, c'est donc c'est une complexité, que, enfin une difficulté sociologique que, qu'on peut tous regretter, mais qui est, mais qui est réelle. Deuxième aspect, et qui est, je crois, un constat quand même très très perturbant quand on s'intéresse à, au sujet de, des questions de société, c'est le constat que l'on peut tous faire du fait que, en réalité, le débat ne fait pas changer d'avis. Ou très rarement. Et moi, je m'étonne tous les jours de réaliser que ben, on ne tire pas les conséquences de ce constat-là. Pourtant, c'est un constat qui est très documenté. Pendant le grand débat national, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu près de 20 000 réunions d'initiatives locales. Je vérifie mes chiffres parce que je crois que Thierry Pêche est très soucieux de la vérité, la véracité des chiffres. Donc je crois que c'est moins de, un peu moins de 20 000 réunions d'initiatives locales. Des universitaires se sont penchés sur le taux de conversion des opinions à l'issue de ces réunions d'initiatives locales. Il y a 3,5% des citoyens qui ont participé, Dieu sait s'ils étaient nombreux, à ces réunions d'initiatives locales, qui ont déclaré à l'issue de ces réunions d'initiatives locales qu'ils avaient changé d'avis. Ça correspond peu ou prou aux indécis, en gros, sur la question. Donc si on considère que à peu près seuls les indécis ou ceux qui vraiment n'ont pas d'opinion et ne sont pas intéressés par le sujet sont susceptibles de changer d'avis, je pense que ça interroge profondément, enfin épistémologiquement, philosophiquement, sur la notion même de débat public. Comment faut-il faire ? Je terminerai en disant que, bien souvent, ce ne sont pas les faits qui aident à convaincre. En réalité, l'ennemi, je dirais, de la transition écologique, c'est pas des climato-sceptiques qui ne reconnaissent pas les faits, c'est les convictions idéologiques antérieures de ceux qui ne sont pas susceptibles d'être convaincus parce qu'ils sont, en réalité, habités par des convictions idéologiques. Donc, on peut présenter tous les faits du monde, on peut présenter tous les résultats du GIEC du monde. En réalité, ça passe comme l'eau sur l'aile d'un canard. Donc, c'est très compliqué, en réalité, de venir convaincre par les faits. Il faut convaincre différemment. Faut-il convaincre par le récit ? Mais alors, quel récit ? Est-ce que c'est un récit tel qu'il s'est exprimé ces dernières années un peu anxiogène, en effet, de la transition écologique. Est-ce que c'est un récit que je qualifierais d'étapiste ? En réalité, les gens sont très étapistes. Les gens veulent, la plupart du temps, modifier des comportements par petites étapes. Et donc, il s'agit, dans un récit assimilable, si j'ose dire, d'identifier ces petites étapes, de les raconter. Et en fait, dans le récit de la transition écologique, c'est pas le récit de l'écologie qu'il faut faire, c'est le récit de la transition. Voilà, ça fait partie de tout un appareil argumentatif qu'il faut réussir à mettre en œuvre et qui est loin d'être évident. Récit de la transition. Philippe Lewandik, est-ce que vous voulez réagir ? Oui, en fait, je voulais réagir. Suite à l'intervention de Thierry Pêche, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, vraiment, et notamment sur la question de la place du surmoi dans cette histoire. C'est-à-dire que du surmoi, on est dans un pays dans lequel il y en a partout, sur tous les sujets. Et je suis bien placé pour savoir, puisqu'on rend des avis toutes les deux semaines, je suis bien placé pour savoir que tout le monde s'en fout. Je le dis franchement. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on parle du changement climatique. Je ne vois pas passer une seule étude d'impact qui traite sérieusement des questions de CO2 et de changement climatique.
Donc, je reviens à ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient convaincus, il faut qu'on arrive à, collectivement à se convaincre qu'on a un truc à faire ensemble, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il faut effectivement que cette conviction soit partagée au plus haut sommet de l'État. Donc ça, effectivement, je le suis complètement là-dessus. Et je crois aussi plus à la vertu, justement, de la construction collective de solutions, à partir effectivement d'un cadre qui doit être respecté. Mais quand j'entends un tas de déclarations sur le fait de gens qui disent effectivement il faut pas forcer, enfin tout va bien, les gens sont convaincus, l'écologie est partout dans toutes les politiques, dans la société, etc., c'est totalement faux. Enfin, je crois qu'il faut vraiment le dire parce que je crois qu'on se goberge, je dirais, de fausses certitudes en pensant que ça marche. Et la preuve que ça ne marche pas, c'est que le GIEC l'avait prédit en 95 et en 2020, ce qui se passe est même pire que ce qu'avait prédit le GIEC, c'est-à-dire qu'on est sur des scénarios encore plus défavorables. Donc moi, je veux bien qu'on n'utilise pas les termes d'écologie punitive parce que ça fait peur, qu'on ne parle pas de contraintes parce que ça fait peur. Il faut quand même arriver à expliquer aux gens que, bah oui, on va être obligé de faire des efforts, des contraintes, etc. On a essayé de le faire sur le plan réglementaire, mais je suis d'accord, ça ne suffit pas. Et qu'il faut vraiment arrêter un discours rassuriste dans lequel on se dit on va trouver la solution. Le fait est effectivement que là c'est intéressant, on vit une période actuellement où le prix de l'énergie est en train d'exploser, le prix du gaz est en train d'exploser. Et pourquoi le prix du gaz explose? Moi j'en reviens aux lois de la physique, toujours. C'est-à-dire que certes on n'a pas réussi peut-être à apporter des réponses qui permettent d'avoir un prix de l'énergie supportable ou soutenable, mais voilà, avec les problèmes de difficulté de l'accès à l'énergie, avec les problèmes géopolitiques, etc., si on n'est pas dans une stratégie coopérative, le prix du gaz va augmenter et de l'énergie en aura moins. Voilà, donc il faut qu'on arrive tous à se convaincre que si on prend pas ça au sérieux, de toute façon, ça ne fera que s'aggraver. Alors, je sais pas si mon discours est perçu comme un discours qui, du coup, n'est pas mobilisateur pour les gens, mais si n'est pas mobilisateur pour les gens, mais il faut le dire, ça, puisque globalement, je le dis bien, si on ne le dit pas, eh bien, le niveau d'effort qu'on fait, tout le monde s'en fout, et globalement, ça ne progresse pas. Arnaud, une réaction ? Partage en partie. Je ne pense pas que les gens s'en foutent. C'est compliqué parce que moi, je ne suis pas dans la tête des Français. Je ne me permettrai pas de parler au nom des Français. Je pense que quand ils mettent en tête de leurs préoccupations dans des sondages que la planète, l'environnement apparaît vraiment très, très fort, je pense qu'ils sont sincères. Mais moi, j'appelle ça le syndrome Arte un peu. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens ce qu'ils regardent à la télé, les gens vous disent tous Arte. Parce que ce n'est pas que ça fait bien, mais on sait que c'est mieux que d'autres chaînes que je ne citerai pas. Quand vous regardez les vrais scores d'audience, évidemment, ce n'est pas Arte qui arrive, ou très rarement Arte qui arrive en tête. Donc je crois qu'il y a quelque chose, mais je pense que les gens ne sont pas focus, pardon de cette expression. Je pense qu'ils sont sincères, mais simplement, on est effectivement noyé dans une culture qui est une culture qui s'est construite en grande partie sur l'idée de croissance et de consommation, que jusqu'ici, ça a très bien marché, que les Trente Glorieuses sont vues comme une espèce de moment extraordinaire d'épiphanie merveilleux, etc. Bon, et qu'il faut changer ça à un moment. Après, il y a une démagogie, là, c'est là que je rejoins votre propos, il y a une démagogie à laquelle il faut absolument échapper à mon avis, c'est dire les Français sont tous prêts à faire des énormes efforts, mais c'est à cause de ces salauds de multinationales, d'entreprises, ou à cause de ces lâches de politiques qui sont aux mains des lobbies. Ça, c'est vraiment une démagogie à laquelle moi, je me suis toujours opposé, parce que ça n'est pas vrai. Il y en a une preuve très claire. Là, on est dans une période pré-présidentielle, comme vous le savez. Les trois candidats qui sont en tête des suffrages des Français aujourd'hui, il n'y en a pas un qui porte un seul programme écologiste, hein, pas un seul. Si les Français étaient obsédés par l'écologie, je pense que ça se verrait probablement dans leur suffrage. Bon, j'ai rien contre M. Bertrand, contre M. Macron, j'ai un peu plus contre Mme Le Pen, mais en tout cas, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont nuls en termes d'écologistes. Et pourtant, c'est eux qui semblent avoir les meilleures chances. Donc moi, je veux bien que les Français soient totalement passionnés par l'écologie et que ce soit la faute des lobbies ou la faute des politiques qui sont trop lâches. Non, il y a une réalité qu'il faut affronter, c'est que ce sont des efforts, voilà, qu'on appelle ça punitif, on appelle ça pas punitif, ouais, peu importe. En tout cas, ce sont des efforts. Les États, ils se construisent aussi sur des contraintes. On ne devient pas un État moderne en décidant que chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Il faut à un moment qu'il y ait une puissance encadrante qui amène les gens vers un objectif, une vision. Et quand les Français réclament une vision, l'écologie, c'est une vision. Alors, on peut ne pas la partager. Mais quelle vision ? Au combien ? Je veux dire, ça change notre rapport les uns avec les autres, notre rapport à la consommation, notre rapport à l'automobile, aux vacances, à tout, à l'alimentation. Ça change notre rapport absolument à tout. Et les gens sont là à dire « Ah, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision ». La réalité, c'est que les gens voudraient une vision des Trente Glorieuses. Voilà, on parle des Français. Ils voudraient qu'on leur promette 4% de chômage et de l'argent à foison pour tout le monde.
ça serait formidable, hein, sans doute, si ça ne détruisait pas la planète. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et c'est vrai qu'il y a ce pense, malheureusement, et j'accable absolument personne, et je ne juge absolument personne, parce qu'effectivement, vous avez raison, les Gilets jaunes ont été un grand signe de détresse des Françaises, et certainement pas moi qui vais les juger là-dessus, mais il y a une absence de lucidité sur la nécessité de faire des efforts, sur la nécessité de changer le logiciel, comme on dit, qui est absolument effarant. Quoi. La députée. Je persiste dans ma position, c'est-à-dire que concrètement, je reste convaincue qu'on doit véritablement mettre de l'écologie dans l'ensemble de nos politiques publiques, tout simplement parce que tant qu'on opposera l'écologie et le reste, on n'avancera pas. Oui, mais à la bonne place, c'est ce que disaient Thierry Pêche et Arnaud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est quand même un peu maltraitée, l'écologie. Elle est absolument parce qu'elle est cornérisée dans son ministère de l'écologie, elle est cornérisée dans un parti écologiste, et pour moi, tant qu'elle sera à part, elle n'évoluera pas, et elle doit s'intégrer et se diffuser massivement dans l'ensemble des politiques publiques qui sont portées et du débat public, justement. Mais alors, comment, moi, en citoyen, comment je fais pour actionner ça? Est-ce que, concrètement, je vote pour un parti écologiste, ou est-ce que je pousse auprès des autres partis sur lesquels j'aurais une affinité plus forte pour qu'il y ait de l'écologie là-dedans? Ou est-ce que je m'en fous? Pour répondre à votre question et celle que vous me posiez tout à l'heure sur la droite et l'écologie, moi aujourd'hui je suis dans un groupe parlementaire qui s'appelle Agir Ensemble. Et c'est le groupe parlementaire donc, qui est situé, c'est un rassemblement de la droite et du centre, hein, de centre-droit, tout petit groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, 22 députés. C'est le groupe qui a déposé la proposition de résolution pour une modification de la Constitution et intégrer les objectifs de développement durable dans le processus législatif. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas... C'est pour ça, donc, pour répondre à votre question, en fait, vous pouvez voter pour qui vous voulez, j'ai envie de dire. Et quelque part, c'est pas la couleur politique qui doit juste être le sujet, se dire est-ce qu'on est vert ou autre. Là, pour le coup, je dirais pas bleu, mais c'est derrière, surtout, ce qu'on essaye de porter et ce qu'on essaye véritablement de construire. Et dans ce cadre-là, de toute façon, le politique, il ne peut rien faire tout seul. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un cadre qui est posé, législatif, réglementaire, mais à côté de ça, et ça c'est le 17e objectif de développement durable, qui est sur justement la coopération stratégique entre les acteurs économiques, politiques et de la société civile, les ONG, etc., c'est justement de se dire qu'à un moment donné, la mise en œuvre de ces politiques publiques sur les questions d'écologie, il y a des contraintes et elles doivent être supportées par tout le monde. Et plus on sera nombreux à les supporter, moins elles seront lourdes pour chacun. Et c'est là aussi où on doit essayer d'avancer. C'est quand je parle de cette transversalité-là, c'est justement pour rendre justement ces politiques écologiques moins douloureuses, enfin oui, un peu plus indolores, un peu moins moins avoir la contrainte qui pèse finalement. Anxiogène. Et du coup moins anxiogène également. Et un dernier point sur les questions d'écologie, je pense qu'on ne doit toutefois pas, et moi je garde cette conviction, c'est bien sûr, quand on regarde sur le plan environnemental, on s'est aperçu que pendant le confinement, puisque personne n'est sorti, pratiquement personne n'a bougé, il y a eu, on voit bien, moins d'émissions, etc. Et donc, qu'effectivement, ça avait un réel impact. Mais je suis aussi convaincue d'une chose, c'est qu'on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre confiné comme on l'a fait pendant 2 mois. Ça ne peut pas être la vie. Donc, on a bien vu l'impact, mais on a bien vu aussi que ce n'est pas possible. Il y a plein d'autres conséquences qui sont tout aussi graves. Donc je pense que l'écologie aujourd'hui, et j'en suis convaincue, on peut tout à fait allier croissance et écologie. On peut produire et le faire dans le respect de normes environnementales importantes. Aujourd'hui, on a une agriculture française qui doit nous accompagner dans cette, et que nous devons accompagner, mais qui nous accompagne aussi dans cette production, justement, et dans le respect de l'environnement. Et quand on parle aujourd'hui de biomasse, de bioéconomie, on doit pouvoir, justement, faire en sorte que l'écologie puisse créer de la valeur, créer de l'emploi, créer des richesses. Thierry Pêche, est-ce que vous avez une réaction sur ce qui vient d'être dit? Oui, je ne crois pas un seul instant que la transition puisse prendre la forme d'un conte pour enfants, tout va bien se passer, etc. Ça va être plutôt dur. Et je pense que quand les gens... Vous savez, le climat, il s'est déjà invité dans le champ de l'anxiété collective. Pas parce qu'on a dit, oh là là, ça va être dur, mais parce que c'est dur. Parce que les agriculteurs, là, vous voyez, je me trouve dans la Drôme,
Il y a des agriculteurs qui savent ce que c'est que le stress hydrique, qui savent ce que c'est qu'un épisode méditerranéen très intense, plus intense qu'il y a 10 ou 15 ans. J'étais à Nîmes il y a quelques semaines, à Nîmes en 1988, des dizaines de gens sont morts parce qu'il y a eu une inondation massive. Eh bien, les facteurs de cette inondation, ils sont plus extrêmes, plus fréquents aujourd'hui. Tout le monde voit les forêts qui brûlent. Tout le monde voit que ça se durcit beaucoup. Donc, il ne faut pas imaginer un instant qu'être rassurant dans un tel contexte, ce soit une politique susceptible de ramener la confiance. Vous savez, quand la maison brûle, celui qui vous dit « il n'y a pas de problème, en fait, ce n'est pas grave », il ne vous rassure pas. Pour vous rassurer, vous avez besoin de quelqu'un qui vous raconte la vérité. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de débat sur anxiogène, rassurant, etc. La bonne politique, me semble-t-il, c'est celle qui dit la vérité et qui dit quelles sont les solutions, et qui recherche les solutions, et qui se donne les moyens de les trouver. C'est pourquoi, moi, je pense qu'on a un gros problème de gouvernance de la transition écologique, qui est le cœur de notre discussion, par quelques bouts qu'on le prenne. Je crois qu'on doit la vérité aux Français et aux Européens. Ça ne va pas être simple, parce que ce n'est pas simple de rénover sa maison, ça coûte cher. Ce n'est pas simple de changer sa voiture, ça coûte cher. Ce n'est pas simple de changer de régime alimentaire, parce qu'on a des habitudes. Donc, pour tout ça, il faut un pouvoir politique qui dise la vérité, mais qui, immédiatement après, donne les solutions, ou en tout cas, se donne les moyens de les chercher, de les trouver. Sinon, on n'en sortira pas. Donc, je crois que c'est un peu un faux débat, anxiogène, rassuriste. Je veux dire, on peut faire des gammes sur le fait qu'on vivra mieux après. Après, c'est pas tout de suite, quoi. La transition, c'est un passage. C'est pas un passage indolore. Ça n'existe pas, ça. Ce que j'entends, en fait, ça me rappelle beaucoup les qualités qu'on peut attendre d'un chef d'entreprise. En vérité, sans en faire des héros, mais c'est une gestion de crise, c'est des situations de crise, c'est des situations où il faut ramener les gens sur une vision dans le concret. Et donc j'aimerais bien comprendre comment est-ce qu'ils réagissent. Vous parlez, tout à l'heure, vous aviez intégré le mot émotionnel là-dedans, ce sont des humains, qui ont des familles. Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils voient ce qui est en train de se passer, d'apparaître? Et quelles actions ils mettent en place? Il y a une première distinction à faire si on prend les dirigeants d'entreprise, le monde de l'entreprise de manière générale, entre ceux qui ont pris le temps de comprendre ce que c'est que la dictature de la science et ceux qui ont survolé le sujet. Et là-dessus, il faut faire hyper gaffe. Faut pas que ce soit une accusation non plus d'avoir survolé le sujet, parce qu'un agenda de dirigeant d'entreprise, c'est extrêmement difficile de trouver un temps significatif pour faire autre chose que ce que mes actionnaires me demandent, notamment plus l'entreprise est grande et on se situe dans un monde d'injonctions contradictoires qui font que c'est difficile de mettre les sujets environnementaux en priorité. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Du coup, si je prends les 150 qui ont vécu la première session, en fait, est très analogue à la première session de la Convention citoyenne. C'était un des dirigeants qui s'est fait interviewer sur Bismart la semaine dernière. Le journaliste lui a posé la question, est-ce que comme les citoyens, vous avez eu le sentiment de vivre une claque environnementale? La réponse était oui, tout à fait. Et cette claque environnementale, une bonne partie, l'ont vécue avec énormément d'émotions. L'ont vécu en sortant des sessions, en sortant de la journée. Bon, on a un peu chargé, le programme s'est fini à 23h30, mais en sont sortis drainés avec... Parfois, c'était des réactions du type mais j'ai 3 enfants, enfin, c'est pas possible. Et du coup, la question, c'est, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Et la transition écologique, environnementale, ça sera peut-être 20 ans ou 30 ans de gestion de crise. Et gestion de crise, ça veut dire, par exemple, une entreprise dont l'activité n'est structurellement pas compatible 2 degrés, par exemple, elle va identifier dans son portefeuille des activités qui doivent changer ou disparaître. Et la question, et là, la question de la transition environnementale devient éminemment une question sociale aussi, parce que si j'ai une activité de 10 000 personnes, que 25% n'est pas compatible avec un monde de 2 degrés, qu'est-ce que je fais avec les 2500 personnes? Et c'est là qu'il faut vraiment réussir à bien prioriser, réussir à
fixer un cap, réussir à être ouvert sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, mais surtout avancer en incluant son entreprise, en incluant ses parties prenantes pour dire voilà ce qu'on sait ne pas être compatible avec le futur et les lois de la physique. On ne négocie pas avec un climat à 2,7 degrés, quoi qu'on veuille faire. Du coup, comment opère-t-on une transformation radicale? Comment opère-t-on une transition rapide où il y a des compromis de tous les côtés? Et c'est peut-être là que la fameuse tradition allemande d'être plus inclusif sur les débats, la co-construction entre patronat et syndicat, par exemple, il y a quelque chose à chercher du côté français. Quand même aussi des compromis sur les dividendes, pour compromis sur les bénéfices, des compromis sur un partage, une baisse. Parce que là, on est dans le dur, là, quand même. La session sur les questions financières, c'est la session 3, donc on pourra en reparler à ce moment-là. Mais je pense que chez nos participants, et chez beaucoup de dirigeants d'entreprise, parce qu'ils ne sont que représentatifs de peut-être quelques milliers qui fonctionnent de la même façon, il y a une conscience qu'il va falloir faire des choix et des compromis, et une conscience que ça va être difficile. Et on la comprend, la contrainte financière, parce que parmi des actionnaires, si je suis une grande entreprise, je peux avoir un gestionnaire de fonds qui gère les fonds de l'argent d'un fonds souverain qui lui-même paye les retraites dans 30 ans. Donc si je baisse la rentabilité de mon gestionnaire d'actifs qui, en bout de chaîne, paye les futurs retraités... Sauf qu'il y a pas mal un fonds dernièrement qui vient de sortir de toutes les participations dans des pétrolières. Donc on voit qu'il y a les fonds, où on pense à BlackRock ou à d'autres, on voit des fonds qui sont en train de pivoter aussi. BlackRock, c'est un exemple intéressant parce que le directeur RSE est parti en disant que ça ne fonctionnait pas, leur stratégie ESG. Donc, mais de toute façon, c'est ce qui est... Quand on regarde, par exemple, ce qu'on fait, nous, la Convention des entreprises pour le climat, est-ce que je pense qu'en 8 mois, 150 dirigeants vont radicalement tout révolutionner? Non. Mais ce qui est important, c'est que les termes du débat changent. Et ça, c'était un vrai résultat de la Convention citoyenne, c'est que les termes du débat changent. La façon qu'on a d'aborder les enjeux environnementaux aujourd'hui n'a rien à voir en France avec la façon qu'on avait de l'aborder il y a 5 ans. Et du coup, quand les termes du débat changent, c'est là que la nature du courage qu'on a à regarder les choses différemment, dont finalement rentabilité financière et rémunérer mes actionnaires, comment je fais, c'est là que les regards commencent à changer aussi. Alors, je vais passer la main à Franck. Je voudrais être assez court parce que je crois qu'on n'est pas loin, mais à deux... En fait, on va déborder. Donc, je n'ai pas trop vu le temps passer, moi, personnellement. Donc, on va essayer de condenser un petit peu. Je vous donne le mot. Non, il y a simplement une hypothèse que j'aurais voulu pousser et qui s'appuie sur ce que disait Thierry Pech. J'étais tout à fait en phase avec cette notion que vous évoquiez. Thierry, c'est cette notion de négociation et singulièrement de négociation collective qui est un mot un peu nouveau, la négociation collective. C'est-à-dire qu'on est habitué à des négociations paritaires, syndicats patronat, on a toute une culture du dialogue social qui est très binaire. Ne doit-on pas imaginer que la transition écologique devienne finalement un objet de négociation participative, multi-parties prenantes, incluant bien entendu les citoyens? Nous, au sein de mon entreprise, on a l'habitude d'animer des débats publics et ces débats publics dorénavant deviennent de plus en plus des débats multipartites, multiparties prenantes. On appelle ça des débats de convergence, des ateliers de convergence, des conférences de convergence. Et ce que l'on observe, c'est que quand on entre dans une dynamique de négociation, on se pose en général trois questions. Quels sont les éléments sur lesquels je suis prêt à changer? De quoi ai-je besoin de ta part pour changer? Et quels sont les éléments sur lesquels je ne ferai pas de concession? Et bien, quand on commence à poser ces trois questions-là, on se rend compte qu'on débloque beaucoup de choses, énormément de choses, et notamment des consensus, hein, des éléments sur lesquels les parties en présence se reconnaissent spontanément, des concessions,
c'est-à-dire des éléments sur lesquels on est capable de concéder des éléments et parfois quelques controverses qui sont beaucoup plus difficiles à transcender. En d'autres termes, peut-être que moi, en tant que citoyen, je suis prêt à renoncer à mes vols en avion sur courte distance. Je suis même prêt peut-être à payer plus cher mes longues distances. Je ne suis pas prêt à renoncer à l'avion. Bon, quand est-ce que on met en place finalement ce type de dynamique de négociation participative ou de négociation collaborative qui permettrait peut-être de dépasser à la fois la simple consultation, on le voit, ce n'est pas suffisant, la délibération, je reste convaincu que c'est difficile de délibérer, parce que c'est difficile de changer d'avis à l'issue d'un débat. En revanche, la négociation, dans les termes qu'évoquait Thierry Pêche, avec l'exemple que vous preniez, ça me semble en effet quelque chose de très fécond. Et on va faire une boucle pour terminer la table ronde. Donc, je vous passe la main, Thierry Pêche. Est-ce que vous avez une réaction sur ce que vient de dire Franck? Ben, je suis heureux qu'on ait un nouveau point d'accord, parce qu'au début, on en avait très peu. Donc, non, je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit sur la négociation. On va nous-mêmes faire des propositions dans 2 ou 3 semaines pour préciser quelles pourraient être les formes de ces négociations multipartites. Donc ça, j'ai pas de problème. Je veux juste faire observer à Franck que dans le cadre de la Convention citoyenne, puisqu'on avait fait des statistiques là-dessus, 78% des participants ont changé d'avis. C'est ça les bénéfices de la délibération. Il y a des gens qui sont formés de façon contradictoire et approfondie, qui discutent ensemble. Au bout d'un moment, ils apprennent à s'écouter parce qu'ils partagent le diagnostic. En effet, ils se font des concessions. Et à la fin, 4 sur 5 ont changé d'avis. Et ça, c'est extrêmement important pour la vie démocratique. Et moi, je crois que si on n'arrive pas à se mettre autour d'une table, à organiser ces formats de négociation et de discussion, effectivement, on restera dans des espaces très polarisés et on n'avancera pas. Chacun d'entre nous est traversé de dissonances cognitives sur le changement climatique. On a tous envie de prendre un avion pour aller passer des vacances de rêve. Et en même temps, on sait qu'il ne faut pas le prendre parce que ça émet des gaz à effet de serre. On a tous nos contradictions. Seul, on ne peut pas les surmonter. Donc, je crois beaucoup au collectif, à la vie collective, à la discussion collective pour trouver des issues à ces problèmes. Arnaud, il y a quand même un thème qu'on n'a pas abordé qui était le pouvoir des médias, et en plus vous êtes un média plutôt connoté, donc je me disais, mais en fait vous parlez qu'à des personnes qui sont déjà convaincues. Oh non, Est-ce que je vous laisse la main pour conclure là-dessus? Moi j'écris sur l'environnement depuis 15 ans, je vous assure que ça rend très modeste, hein, parce que mes écrits indignés d'il y a 15 ans, disant il faut que tout change, etc., c'est pas que tout le monde s'en fout, encore une fois, mais... Ça rend très modeste quand même. Non, ce que je crois, c'est qu'on sort d'une période particulière dans laquelle on a vu que le volontarisme politique, je parle de la pandémie bien sûr, le volontarisme politique a fait comprendre aux gens, à la majorité des gens, une grande majorité des gens, que c'était mieux que rien, que pas de volontarisme. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut considérer parfois qu'il y a des décisions qui sont un petit peu autoritaires, qu'il n'y a pas assez de processus démocratique, etc. Quand on est dans un moment particulièrement difficile, le quoi qu'il en coûte, globalement, je pense que 90% des gens comprennent que c'est nécessaire. Voilà. Donc j'espère que nous allons rentrer dans un moment churchillien, du sang et des larmes, pour prendre, même si je ne suis ni sadique ni masochiste, pour prendre l'expression churchillienne, parce qu'on est en guerre. Malheureusement, on est encore en guerre. Et que la guerre exige un effort de guerre. Voilà. Yannick ? Et moi, très rapidement, en fait, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit, sur le dialogue politique, sur le dialogue économique, sur le rôle des médias. On s'est construit, pas qu'en France, mais partout, une habitude de la confrontation excitée. Et ce dont on a besoin, c'est une habitude renouvelée de dialogue apaisé. Et ça, face à l'urgence, c'est ce qui me paraît nécessaire. Et pour y arriver, on parlait des 3 étapes, c'est exactement ça. Tous nos sous-groupes de dirigeants sont, chaque sous-groupe est accompagné par un coach professionnel qui est spécialiste de ce genre de questions, comment on fixe le mode de fonctionnement des uns des autres. Et ce dialogue apaisé et le fait de prendre le temps face à l'urgence. Parce que si face à l'urgence, on va encore plus vite que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est sûr qu'on se plante. C'est sûr qu'on gesticule et c'est sûr qu'on va créer encore plus de conflits et aller dans le mur en s'étripant. Mais c'est évidemment pas ce qu'on veut. Madame la députée.
revenir sur le parallèle avec la pandémie, effectivement, finalement, l'acceptabilité de la population face à la brutalité de mesures fortes et de contraintes extrêmement fortes, elle a été ainsi parce qu'il y avait aussi cette notion de limite dans le temps. Que nous n'avons pas sur les enjeux climatiques et écologiques. Et donc, effectivement, là, il va falloir avoir un travail de beaucoup plus en profondeur pour pouvoir justement l'intégrer et se dire « Aujourd'hui, ma vie va changer, mais elle va changer pour toujours ». Et ça, c'est quelque chose qui prend évidemment pas la même dimension que sur nous sommes en guerre. On est dans un dans une espèce de parenthèse de notre vie qui va finalement changer peut-être pas, mais dans notre intellect, en tout cas, on se dit qu'elle va changer ensuite. Après, encore une fois, le défi écologique, on n'y répondra pas tout seul. Et effectivement, le politique sans les entreprises, sans le monde économique, sans la société civile, sans l'adhésion de la population, de toute façon, ne sera jamais atteint, n'est jamais dépassé. Et ça, c'est, j'insiste véritablement sur ce 17e objectif de développement durable, cette coopération stratégique, elle est indispensable pour pouvoir justement répondre à ces défis, à cette urgence. Bon, c'est même plus un défi, c'est une urgence. Et en tout cas, maintenant, nous avons aussi cette obligation de résultat sur l'atteinte de ces différents objectifs. Et dernière conviction, oui, je reste convaincue que l'écologie, pour pouvoir justement avoir cette adhésion et pour pouvoir la faire entrer en profondeur dans la vie des gens, eh bien, c'est une écologie qui va et qui est capable de créer et des emplois, de créer de la valeur, de créer de la richesse. Et ceci n'est pas un conte rassurant pour essayer de faire passer la pilule, pardonnez-moi l'expression, mais je pense que ça n'est pas, c'est pas un conte rassurant, c'est une ambition. Et je pense que c'est l'ambition que nous devons tous avoir et que finalement, semer la panique sous couvert de discours de vérité ne sera pas plus efficace. Monsieur Philippe Levendic, je vous donne le mot de la fin. Quelle responsabilité. Moi, j'ai une conviction, avec là aussi tout ce qui a été entendu, mais je crois qu'il faut le dire, c'est que notre vie va changer et va changer profondément. Là encore, j'ai été d'accord de bout en bout avec Thierry Pech et sur sa deuxième et sa troisième intervention. Oui, ce n'est pas un conte pour enfants. Et je crois qu'il faut savoir dire aux gens que oui, là maintenant, au point où on en est, notre vie va changer. Voilà. Donc, d'avoir l'illusion que les gens vont pouvoir vivre comme dans les années 70, 80, comme ils ont été habitués, etc., je pense que c'est leur mentir de leur faire croire ça. Donc, leur vie va changer, qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire que ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que même si on avait envie de se raccrocher au maximum à son rocher ou à ses certitudes, notre vie va changer et on voit tout qui se passe autour de nous qui fait qu'on n'aura pas le choix. Et l'autre point sur lequel je rejoins Thierry Pech, c'est que du coup, il faut commencer, pour pouvoir mobiliser du collectif, pour que les gens suivent, pour que les gens ils aient envie d'y aller, pour que les gens aient envie de faire quelque chose et de se mobiliser sur le sujet, il faut commencer effectivement par leur dire la vérité, par ne pas mentir et surtout par ne pas se mentir. C'est-à-dire que si on ne regarde pas les choses en face, on commence par se mentir et ça veut dire que du coup, il n'y a aucune chance que les gens soient dans un système de coopération pour pouvoir construire ensemble des solutions. Merci. Franck, est-ce que vous vouliez dire quelque chose ? Très très brièvement, je pense que l'une des issues possibles relève d'une nouvelle rythmique des débats sur le thème de la transition écologique. Je disais tout à l'heure, on ne change pas d'avis dans le contexte d'un débat. J'ai omis de dire, pour des raisons de simplicité, qu'on change d'avis avec le temps. Et ça aussi, c'est très documenté. Hein, c'est-à-dire qu'il faut parfois des années pour opérer une conversion d'opinion. Et c'est la raison pour laquelle il faudra probablement que l'on reconnaisse cette réalité de la rythmique des débats. On aurait pu, par exemple, considérer que le référendum sur le Brexit, je prends cet exemple-là parce qu'il y a plus de référendums sur l'autonomie que de référendums sur l'environnement, le référendum sur le Brexit aurait peut-être eu un résultat différent s'il s'était étalé sur un an et non pas sur 24 heures de scrutin et de vote. C'est d'ailleurs ce que fait la Nouvelle-Calédonie assez intelligemment en imaginant trois rendez-vous électoraux. Enfin, référendaire plutôt. Donc, se poser la question de cette dilatation du temps
parce qu'on change d'avis avec le temps. Et donc, je ne suis pas en effet surpris, Thierry, que 78% des participants à la CCC aient changé d'opinion à l'issue, en effet, de 8 mois d'intenses débats. Voilà. C'est QFD. Voilà qui nous réunit tous. Et le temps, on n'en a plus. Donc, je vous remercie pour nous avoir suivis sur cette table ronde. Je vous retrouve, moi, à 15h45 pour ma dernière table ronde, mais pas la dernière de la journée. Et là, on parlera d'agenda 2030 et puis de coopération internationale avec également un très, très beau panel. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt.